C'est l'histoire d'une de chevaux qui penche un peu trop dans les virages. Dominique conduit son bolide depuis plus de 15 ans. Le 18 janvier dernier, il quitte son travail et part faire ses courses. Le bolide déboule de ce rond-point. Quelques mètres plus loin, une agente police l'arrête. Le verdict tombe, excès de vitesse. Je leur ai demandé à quelle vitesse je roulais et on m'a répondu 60 km/h. J'ai demandé une précision avant le panneau ou après le panneau d'agglomération. On m'a dit après le panneau. Et puis voilà, le gros problème, c'est que sur le procès verbal, il n'y a pas de vitesse de marquée. Et pour cause, la police n'avait pas de radar. L'agent dit avoir constaté l'excès de vitesse à l'œil nu, notamment parce que la deudeuche penchait dans le virage. Une deux-chevaux, elle penche en général dans les virages. Hein. Je vois pas comment qu'elle peut faire autrement. Hein. C'est pas moi qui les ai fabriquées, c'est Citroën. Et elle date pas d'aujourd'hui, elle date de 1948. Et demain, elle penchera encore. Hein. Je vais bien continuer à les faire pencher. La police maintient sa version et assure que la deux chevaux roulait trop vite dans le virage et dans la ligne droite qui suit. Dominique, lui, a décidé de payer sa contravention, 90 euros. Il n'ira pas au tribunal pour contester, même s'il trouve que la police dans cette histoire ne tourne pas bien rond.